Ici, nous sommes sur la presqu'île de Lyon et toute cette zone était occupée par des bâtiments qui étaient liés de près ou de loin à une abbaye très importante qui était l'abbaye d'Ainay, qui s'est construite à l'époque romane à partir du 9e, 10e siècle, qui s'est considérablement développée pendant tout le Moyen Âge, qui était très puissante, très importante, qui avait de nombreux terrains dans Lyon. Adélaïde Perrin, elle arrive à Ainay vers 1825. Elle va avoir l'opportunité de louer une maison, en fait, qui appartient au tènement où se situait l'ancien cloître de l'abbaye d'Ainay. C'est ce qu'on appelle la maison Capelin. Donc ça, c'est dans les années 1827. Et ensuite, l'objectif, ça va être d'essayer de s'agrandir pour pouvoir accueillir de plus en plus de filles. Et pour cela, concrètement, Adélaïde va être soutenue par des amis qui vont avec elle créer une structure qui va pouvoir acquérir des biens immobiliers. Et grâce à ça, elle va pouvoir acheter finalement petit à petit, à travers, par deux actes de vente successifs, tout le pâté de maison qui appartenait à ce monsieur Capelin, en fait. Ce tènement, il est compris entre quatre rues. La rue des Remparts d'Ainay, donc, qui longe l'abbatiale sur sa partie nord. La rue dite de l'abbaye, qui est à l'ouest donc du tènement. Au nord, vous avez la rue de Jarente. Et à l'est, la rue dite Adélaïde Perrin. Adélaïde Perrin fait appel à un architecte qui s'appelle Claude Anthelme Benoît, qui est connu aussi dans le quartier parce qu'il a œuvré à la restauration de l'ancienne abbatiale d'Ainay. Et cet architecte, aidé par son fils, sera à l'initiative en fait de tout ce, on pourrait dire aujourd'hui, ce schéma directeur qui va initier les constructions que nous voyons encore aujourd'hui. Ce bâtiment donc fonctionne un peu comme un établissement religieux. Vous retrouvez le cloître et puis ce système de grands dortoirs dans les étages avec un réfectoire au rez-de-chaussée. Et pour l'extérieur, eh bien, on va s'inspirer plutôt de l'art roman. Au 19e, en fait, on a coutume d'aller puiser dans les styles passés et de se les réapproprier. Et pour les établissements religieux, c'est l'art roman qui va être privilégié. Donc, il se matérialise par les fenêtres en plein cintre que vous retrouvez sur quasiment l'intégralité des façades de ce bâtiment. Les voûtes d'arête que l'on retrouve dans la cour, on pourrait presque appeler la cour du cloître. L'élément un peu urbain que l'on donne à ces bâtiments, c'est d'apposer des pavillons d'angle qui dépassent souvent du reste des bâtiments et qui donnent un côté un petit peu plus palais, entre guillemets. Une des dernières étapes de construction majeure dans ce bâtiment, c'est à la toute fin du 19e siècle, où c'est le propre neveu d'Adélaïde Perrin, donc Sainte-Marie Perrin, qui va construire en fait un des éléments majeurs du bâtiment. Il va offrir une chapelle assez majestueuse avec un beau volume et surtout une décoration qui va venir un peu casser le côté néo-roman donné par Claude Anthelme Benoît et son fils, parce que là on est dans un vocabulaire différent, un vocabulaire classique de pilastres cannelés, de frontons triangulaires, curvilignes. Voilà, donc la chapelle, tout en s'intégrant au bâtiment, va se différencier par le vocabulaire architectural qu'elle emploie. On la voit de l'extérieur, en même temps elle se fond dans les bâtiments, ça reste très sobre, mais en même temps elle est quand même présente par un vocabulaire différent. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans une démarche d'essayer de voir comment initialement le bâtiment avait été conçu et qu'est-ce que de cette histoire on peut tirer pour améliorer la situation ou la vie aujourd'hui en fait. Évidemment, les grands volumes sont toujours très compliqués à utiliser quand ce sont des lieux de vie. Au rez-de-chaussée, vous avez toujours le réfectoire qui est resté dans sa taille d'origine et c'est vrai que ça reste aujourd'hui un lieu de fête, de rassemblement parce que le lieu se prête parfaitement à cela. La spécificité, la singularité aujourd'hui du site et du centre d'Adélaïde Perrin, c'est d'avoir conservé cet emplacement justement en cœur de ville. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus parce que dès le XXe siècle, au contraire, on a déplacé en périphérie, dans les faubourgs, justement, tous les établissements médicaux ou socio-médicaux. Ce choix courageux de rester en centre-ville malgré la pression foncière, je trouve qu'il a beaucoup de sens aujourd'hui et je trouve ça pertinent, effectivement, que le site d'Adélaïde Perrin puisse rester en centre-ville. Parce que c'est aussi une façon de faire perdurer la mémoire de sa fondatrice, en fait. Parce que c'est le site historique qu'elle a créé.
Donc on s'en souvient d'autant mieux.